C'est la 15e édition du Gala des prix Jutra. Nous nous trouvons en salle de presse. Ce soir, on passe en revue les gagnants des différents prix. Derrière moi, l'équipe de Rebelles qui vient gagner pour le meilleur film. Bienvenue sur le tapis rose de Catherine. Hey, maman. Un moment. Et le Jutra est remis à Sabrina Ouazani, Inch'Allah. Il n'y a personne là, sur cette terre qui est aussi contente que moi de te voir là, de revoir maintenant. Quelque chose d'exceptionnel parce que c'est quasiment une revanche parce qu'Évelyne Brochu n'était pas en nomination. Oui. Et là, toi, tu t'en vas rafler le prix de la meilleure actrice de soutien. Mais vraiment, vraiment, pour moi, ce prix, il est vraiment pour Évelyne et moi parce que sans elle, je ne serais pas la montée sur scène. Sans elle, j'aurais pas été aussi bonne dans ce film. Michel, là, il y a un problème. Tu m'avais dit que tu pleurerais pas. Oui, j'avais dit que je pleurerais pas pendant mon... J'ai pleuré avant. Alors, Jean-Marc a fait un job, là, vraiment, il m'a promené. J'ai ri, j'ai braillé. J'étais étonné de voir qu'il ait trouvé des photos de moi bébé, de mes parents, de mon papa qui vient de décéder. Comme s'il venait me chercher. Tu sais, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Moi, je savais que tu pleurais. Tu savais? C'est impossible de ne pas pleurer dans un moment de même. C'était vraiment touchant. Félicitations. Bien, je vous remercie beaucoup. On veut voir ça, ce beau trophée-là. Regarde ça, c'est beau. Un 2013 avec du beau vernis. Là. Bonsoir, Philippe. Bonsoir. Dis-le, t'es contente. Yeah, yeah! Je suis très heureuse. C'est cool. Comment tu fais l'espèce de bilan à la suite de l'année Rebelle? C'était une année, j'avoue, exigeante aussi, parce que c'était un film qui, par la nature de comment il était fait, j'ai eu à le porter beaucoup moi-même à travers les pays. Je frôle les millièmes événements, genre entrevues Q&A associées au film. Et donc, ça fait une super belle porte de sortie pour travailler au prochain film. Non, il y a la sorte de même! Mais non! Je m'esquisse d'avoir fait peur les gens. Tu sais que... parler devant plein de caméras et tu vois pas même bien et plein de lumière sur toi. Tout ce que je voulais dire et remercier des Congolaises, tout ça, les gens qui m'aiment. On dirait que ça n'en finit plus avec M. Lazare. On se sent comment de recevoir un prix comme ça un an plus tard? Je me sens comme Al Pacino dans Le Parrain qui dit à chaque fois que je veux sortir de la mafia me ramène dedans. Alors là, M. Lazare fait un peu ça avec moi. Ça fait homme, ça fait camion. Ça, oui, mais non, mais ça, écoutez, j'expose ça chez moi, pas moi. Où? Je m'expose ça. J'ai une bibliothèque. Ben, je me suis patenté une bibliothèque comme tout le monde a, là, avec des grosses planches de pain, là, puis des briques. Pour mettre des prix? Des briques, non, des livres. Et le Jutra, il représente quoi? J'ose pas dire mon âge, mais Julien, en 2013, dans une équipe encore. Vivant, c'est un drôle de mot, parce que je me sens vivant quand je travaille. Comment tu vas célébrer ce soir? Bien, je m'en vais à la réception des Jutra, à la SAT, avec tout le monde. Et puis, party, mais pas trop quand même, parce que demain matin, je me lève à 7 et je m'en vais à Chicoutimi. Tu sais, l'art de ramener à la réalité. Ça se peut que je sois poqué à l'avion demain à 9h15 là, sur Air Canada. Là, t'es tellement dans le rush, là, tu t'en vas prendre l'avion. Hein? Oui. On gagne un trophée, on s'en va dans l'avion! Il s'en va en France! Mais c'est ça, je vais dormir dans l'avion comme ça avec mon trophée. Là. Je le serre fort, j'arrête pas de le toucher comme ça. Oui, là, ça va être le speed et demain. Voilà, je présente le film là, à Paris. Rentrer dans la couette avec ma blonde que j'aime, très douillet. Elle est contente hein, que tu rentres à la maison. Oui, elle est contente. Elle ne m'a pas vu tout le temps cette année. Alors oui, je pense que oui. Oh non, moi, c'est fait. C'est célébré. Déjà? Pas de party? Pas rien? Non, non, non. Voulez-vous mes billets pour aller au party? Il y en a-tu on va les prendre, on va aller. Oui. Distribuer-les à des gens. Là. Bonne soirée. Merci beaucoup. Elle va virer une brosse dans l'avion.